Hashem, Bezrat Hashem, Besiata Dishmaya, Erev Tov. Alors, on a la chance, Baruch Hashem, de continuer le Likuté Moharan. On va commencer aujourd'hui un nouvel enseignement, l'enseignement numéro 2 du Likuté Moharan. Et, Bémet, c'est une chance extraordinaire. On a eu le Sroot de finir le premier enseignement. Et là, on commence un deuxième enseignement. Je vous dis tous les enseignements, mais en particulier celui-là, c'est de l'or en barre. Je vous dis, c'est de l'or en barre, c'est littéralement ce que je pense. Et il faut juste le considérer comme de l'or en barre. Parce que des fois, on a de l'or en barre dans les mains, mais on pense que c'est de la poussière. Et après ça, on le disperse un peu n'importe comment. Et finalement, on réalise à la fin de sa vie que c'était de l'or en barre et que si on avait pu le garder dans sa poche toute sa vie et l'emmener avec nous pendant tous les événements de sa vie, on aurait gagné beaucoup, 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 beaucoup. Et je ne parle pas au niveau matériel, évidemment on parle au niveau spirituel, on parle d'une éternité ici. Alors, il faut comprendre que c'est écrit dans Maseret Avot, à la deuxième Mishnah du Perek Aleph, du premier Perek, c'est écrit là-bas que Shimon HaTzadik haya mishare Knesset Agdola. Shimon HaTzadik, il était le dernier de l'assemblée de Knesset Agdola. Et finalement, il s'est écrit là-bas, Shimon HaTzadik haya mishare Knesset Agdola, hu haya omer. Il avait l'habitude de dire que al shelosha devarim ha'olam omed, sur trois choses, le monde, il tient. Okay? La Torah, à la Torah, à la Vavoda, vers la Gmilot Hasadi. Okay? Et on a vu que le premier enseignement de Rabbeinu Akadosh, de Rabbi Nachman de Breslev, il parle principalement de la Torah. Et on va maintenant commencer le deuxième enseignement. Il faut comprendre que lorsque la Mishnah elle nous dit que le monde il tient sur ça, ça veut dire que le monde il peut pas tenir sans ça. Et même Chachamim, au nom de Rav Chaim de Volozhin, il me semble que c'est Rav Gober qui la semaine dernière a rapporté ce chidouche du Rav de Volozhin. Le Rav de Volozhin il dit que c'est pas seulement le olam tout entier, c'est le olam de chacun des individus, de chaque personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sa famille, sa parnassa, sa ville, sa communauté. Sur quoi ça tient? Sur ces trois aspects-là, la Torah, sur la Avoda et sur les Gmilut Chassadim. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas ça, même si a priori ça a l'air de l'extérieur que son monde y tient. Mais en vérité, sachez que surtout au niveau spirituel, mais même au niveau matériel, tout est faux, tout est shaker. Et que c'est seulement s'il y a ces trois piliers-là, et pas un qui manque, c'est seulement s'il y a ces trois piliers-là, que le monde, que son monde y tient. Et c'est rapporté, tellement ces trois piliers-là sont importants, c'est rapporté encore une fois par Rav Chaim de Volozhin, qu'on s'est écrit dans une Gemara que à trois choses, un homme il doit se laisser mourir, un juif il doit se laisser mourir. C'est quoi ces trois choses-là? Gilou Yarayot, Avodazara et Shfirhut Damim. Gilou Yarayot, on sait, c'est-à-dire les relations interdites. Et nous dévoile le Raphaïm de Volozhin, les relations interdites, c'est Keneged, la Torah. Ça veut dire, de la même façon que sans Torah, tu ne peux pas vivre, si tu vas dans les relations interdites, tu es en train d'éliminer la Torah de ta vie, parce que les deux ne peuvent pas aller ensemble. Et à partir du moment où tu élimines la Torah de ta vie, tu es mieux de mourir. Ça ne vaut pas la peine de vivre. Avodazara, Keneged, Avoda. La Avoda, c'est quoi la Avoda? À l'époque, c'était les Korbanot. Aujourd'hui, Chachamim, ils ont remplacé les Korbanot par quoi? Par la Tefila. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, il est mieux de se laisser mourir que de faire Avoda Zara, de se prosterner devant une idole. Et de la même façon qu'on comprend qu'il est mieux de se laisser mourir parce qu'on va à l'encontre de la Avoda, la vraie Avoda qui est la Tefila, un homme, il ne peut pas vivre sans Tefila. Il ne peut pas réussir sa vie. Je parle encore une fois au niveau spirituel, au niveau de son âme, au niveau de son tikkun dans ce monde, sans la tfila. Et finalement, c'est écrit Shfirhut Damim Keneged, c'est-à-dire correspondant à quoi? À Gmilut Chassadim. Que quelqu'un qui va aller maintenant faire
va nous faire couler le sang. Évidemment, c'est à l'opposé de aider son prochain. Et les trois sont en relation avec les avot. On sait que Gilui Arayot, la Torah, ça correspond à qui? Ça correspond à Yaakov. La Avoda, ça correspond à Yitzhak. Et la Gmilut Hasadim, ça correspond à Abraham. Et on est les fils de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et seulement s'il y a ces trois piliers-là, on est vraiment les fils de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, le premier enseignement, comme on a dit, il nous a parlé de l'importance de la Torah, qu'à l'aider à Torah, on fait grandir notre nom, on fait grandir le nom de Ham Israël, on fait grandir la gloire de Ham Israël. Ce deuxième enseignement, il va nous parler de la Tfila. Et c'est pour ça que je dis que c'est de l'or en barre, parce qu'à l'aider à Tfila, on obtient tout. Il faut juste savoir c'est quoi la Tfila, comment on arrive à prier. La Tfila, finalement, c'est la prière, de parler à Hachem. Celui qui a cette clé-là dans la main, il obtient tout. Et je pèse mes mots. Et ce n'est pas mes mots à moi, c'est les mots de Rabbi Nachman de Breslev. Alors on va débuter Bezrat Hashem Siyata Dishmaya, le premier enseignement. Et évidemment, comme on a dit, les enseignements de Rabbeinu dans l'écoute et morale se basent sur un verset. Le verset qui est rapporté par Rabbeinu pour cet enseignement-là, c'est le verset de Vaikra. Donc le verset de Vaikra qui dit « Vayomer Hashem el Moshe ». Hashem, il a dit à Moshe. Qu'est-ce qu'il a dit à Moshe ?« Emor el Kohanim bene Aaron ». Parle aux Kohanim, les enfants de Aaron. « Ve'amarta alehem » et tu leur diras « Les nefesh loitama be'amav » « Vous ne vous rendrez pas impurs » ou « Vous ne rendrez pas impur votre nefesh, votre âme » avec votre peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon le pshat simple, la Torah interdit aux Kohanim d'être en contact avec un mort, avec un corps mort, à part exception faite de 6 exceptions, la mère, le père, la sœur qui n'est pas mariée, le frère, donc il y a 6 exceptions, mais à part ça, il est interdit pour un Kohen, c'est pour ça qu'il est interdit pour un Kohen de rentrer dans un cimetière, il est interdit pour un Kohen de se mettre en contact avec un mort. Ça, c'est le verset sur lequel tout l'enseignement va être basé. Évidemment, comme on l'a vu déjà dans le premier enseignement du Likutei Moharan, que ce qui est à première vue, ce qu'on a compris à première vue, évidemment, ce n'est pas ça que Rabbi Nachman va nous dévoiler. C'est Rabbi Nachman qui va nous dévoiler le sod de ce verset, le secret de ce verset. Puisque cela, ça va? Ok, alors, il dit comme ça. Ita, il est inscrit. C'est de l'araméen. Mais Sifra Desniuta. Dans le livre caché, c'est un livre, c'est une partie du Zohar HaKadosh, qui s'appelle Sifra Desniuta. Dans le Perek Bet, c'est écrit là-bas, Menukva des Fardashka, des orifices des narines. Ça veut dire quoi, des orifices des narines? Ça veut dire le nez, donc les narines. Des orifices des narines, Mashar Roar Dechaye. Le souffle de vie est insufflé à qui? Les Mashiach, aux Mashiach. Donc finalement, les Sitra des Sinyuta, dans le livre caché, est écrit que à travers le nez, donc on parle ici d'un nez spirituel qui est dans les Olamot, on ne parle pas d'un nez qu'on peut voir comme ça, à travers le nez, le souffle, donc la vie, le souffle de vie, donc on parle ici d'un souffle d'air qui va être insufflé au Mashiach. Alors a priori, évidemment, c'est du Zohar, donc on ne comprend pas vraiment ce qui est écrit, et Rabbeinu HaKadosh va nous dévoiler ce qui est écrit. Kaikar klezeno shel Mashiach ou atfila. Car l'arme principale du Mashiach, c'est quoi? C'est la prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que Rabbeinu est en train de dévoiler que l'arme avec laquelle, puisque c'est écrit que Mashiach va devoir faire des guerres, ou en tout cas des guerres spirituelles, Il va probablement, lorsqu'il va arriver beaucoup de contestataires, tout le monde va être surpris. C'est rapporté dans les siffrés, en particulier la siffra Kabbalah, mais plein de livres qui parlent du Mashiach, que beaucoup de monde vont être surpris de qui est le Mashiach. Et donc il va avoir à finalement dévoiler Hachem dans le monde, puisque le rôle du Mashiach est de dévoiler le nom et grandir la gloire d'Hachem dans le monde. Et nous dévoile Rabbeinu avec quoi il va faire ça. Il va nous envoyer des scuds, il va combattre toutes les nations. Qu'est-ce qui va se passer?
Il nous dit Rabbeinu qui a écarté les zénos chez Mashiach ou Atfila. C'est à travers, grâce à la Tefila, que Mashiach va faire ces guerres-là. Et c'est très bien. Alors, on voit que finalement, il y a ce qu'on appelle dans le Aïnyan que Mashiach, il va être là pour nous apprendre à prier. C'est quoi que ça veut dire? Quoi que c'est son âme principale? C'est qu'à travers la prière qu'il va nous apprendre à faire, à travers la communication qu'il va nous transmettre comment communiquer avec Hachem, il va nous permettre au monde entier de glorifier, de dévoiler le nom d'Hachem. C'est à travers la tfila que ce dévoilement va se faire et c'est ça l'arme du Mashiach. Plus que ça, il va nous dévoiler, il va nous faire comprendre, il va nous faire sentir combien chaque mot de prière, chaque mot de prière est chashuv, est important. Et pas seulement important, c'est des diamants que Hachem garde précieusement dans un coffre-fort. Chaque mot d'un Ben Israël, c'est des diamants. Comme c'est rapporté sur tous les imaot qui ont eu des difficultés à enfanter. Que ce soit Sarah qui a attendu un traînage très très avancé pour avoir Yitzhak, que ce soit Rivka qui a attendu 20 ans pour avoir Yaakov et Esav. Qu'est-ce qui est dit? Pourquoi Chamin dans la Gemara ils disent pourquoi Hachem il a fait en sorte qu'ils attendent tellement longtemps? Parce que Hachem il aime la prière des tzadikim. C'est pas seulement qu'il aime, il s'est chashuv, c'est important pour lui, c'est quelque chose de méod méanien. Et qu'est-ce qui va nous dévoiler Mashiach? Il va nous dévoiler ce secret-là. Alors c'est très bien, comme j'ai dit la dernière fois, et comme je le dirai probablement à chaque cours, le Likutei Moharan, c'est pas pour apprendre des informations, c'est pas pour étudier, stam étudier, c'est parce que ça nous concerne. Rabbeinu, il est en train de nous dévoiler quelque chose qui va changer notre vie. Si on n'a pas changé notre vie après cet enseignement-là, c'est soit qu'on n'a pas compris, soit celui qui donne les chiots, il est vraiment naze. Mais c'est pas à cause de Rabbeinu, je vous le dis, parce que Rabbeinu, il est là. Pourquoi? Pour vous dévoiler un enseignement qui va changer votre vie. À partir du moment où vous allez l'appliquer, vous allez le rentrer dans vos tripes, ou dans votre cœur surtout, à ce moment-là, c'est tout votre monde qui va changer. Tout votre olam, il va changer. Et il y avait, c'est bon de rapporter le contexte dans lequel Rabbeinu, il a donné cet enseignement-là. Il y avait à l'époque une sorte de dissension entre ce qu'on appelle les chassidim, les descendants spirituels du Baal Shem Tov, et les mitnagdim, on va dire les descendants, en gros les descendants spirituels du Gaon de Vilna. Ça veut dire ceux qui étaient plus dans la chassidut ou ceux qui étaient plus dans l'étude. Et il y avait une dissension dans le sens que certains disaient la prière c'est plus important. Évidemment les chassidim disaient la prière, la dvekout avec Hachem, c'est ça le Icar. Et les autres disaient non, la Torah, l'étude de la Torah, l'épanouissement spirituel qu'on acquiert à travers la Torah, c'est ça le Icar. C'est sûr que quand il disait le limoud, c'est les juifs maasé, ça veut dire qui amène au maasé. Mais ça veut dire que dans l'esprit chassidim, et je ne veux pas rentrer dans la machloket parce qu'on n'est pas au niveau pour comprendre ce qui est à leur niveau à eux, c'est des géants. Mais juste pour comprendre c'est quoi le contexte, c'est que dans les chassidim, leur écart c'est que tout doit être fait pour se rapprocher d'Hachem. C'est d'ailleurs ce que Rabbeinu nous a dévoilé dans la première Torah, dans le premier enseignement. Et que quoi que la Torah c'est l'essentiel, mais pour se rapprocher d'Hachem. Donc la réponse de Rabbeinu à cette dissension là, c'est quoi? La réponse de Rabbeinu à cette dissension là, c'est la suivante. Il dit Tfila, Torah, Tfila. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tu commences d'abord par la prière. Ça veut dire quoi? Tu commences d'abord par la prière. D'abord tu pries à Hachem Idvara d'être un keli propre, de nettoyer tes midot. D'être capable que quand tu vas aller maintenant étudier la Torah, tu sois un Kéli qui va être capable de recevoir cette Torah. Ça, c'est la première chose. Donc, premièrement, tu pries, tu demandes à Hachem, s'il te plaît, aide-moi à travailler mes midot, à travailler mes colères, à ne plus tomber dans les tzerara, à faire attention à mes yeux, tout, tu demandes pour pouvoir finalement épanouir et surtout purifier ton âme et ton corps. À partir du moment où tu as fait ça, maintenant tu rentres dans la Torah, dans le limoud, tu étudies.
Si dans le limud de la Torah, comme on a dit la dernière fois, chaque mot de Torah, c'est un nom d'Hachem. Chaque mot de Torah, ce qu'on est en train de faire maintenant, on est en train de dire des noms d'Hachem. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. C'est énorme. Hachem, il nous donne cette capacité-là de dire des noms de lui toute la journée comme ça. Et ensuite de ça, une fois que tu as fait le limud, tu repasses à la prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire maintenant tu demandes à Hachem, s'il te plaît, aide-moi. Maintenant que j'ai étudié, aide-moi à faire le maasé comme il faut, à appliquer ce que je viens d'étudier, à comprendre ce que j'ai étudié. Il faut savoir qu'il y a un trésor qui est pas assez dévoilé à mon sens. Il y a un trésor qu'on a dans nos générations qui s'appelle le Likutei Tfilot. Le Likutei Tfilot, c'est un livre de Tfila qui a été écrit par Rabbi Nathan de Breslev. Rabbi Nathan de Breslev, c'est l'élève principal de Rabbi Nachman. Et lui-même, Rabbi Nachman, a dit que s'il n'y avait pas eu Rabbi Nathan, probablement qu'on ne saurait même pas ce qu'est Rabbeinu aujourd'hui. Ça veut dire que comme, pour ceux qui connaissent, comme Rav Chaim Vital a été le dévoilement, finalement la plume du Harizal, Rabbi Nathan est la plume de Rabbeinu. Ça veut dire que, étant donné que Rabbi Nachman était à tellement haut niveau, il a fallu amener cette lumière dans ce monde, et Rabbi Nathan a été le keli, le tuyau pur pour amener cette lumière-là. Et Rabbi Nathan a écrit le Likutei Tfilot, et sur chaque enseignement du Likutei Moharan, il y a sa correspondance en Tfila. À la fin du shiur de la dernière fois, j'ai lu le Likutei Tfilot de Aleph, et je conseille à tout le monde, tous ceux qui ont suivi le shiur, de lire le Likutei Tfilot Aleph, qui correspond à l'enseignement Aleph, l'enseignement 1, et vous voyez que ça a un autre sens. La Torah que vous venez d'étudier, l'enseignement que vous venez d'étudier, il a un autre sens, le gamré, parce que vous avez associé la Tfila. Et ça, c'est le secret de Rabbeinu. Rabbeinu, il a répondu à tout le monde. Il a dit, vous avez tous raison. Commence par la Tfila, étudie la Torah, finis par la Tfila. Donc ça, c'est finalement le cadre dans lequel cet enseignement-là a été donné. Et donc, il vient dire ici que l'arme principale du Mashiach, ça va être la Tfila. Mais pas pour nous dire que l'arme principale du Mashiach, ça va être la Tfila, parce que Mashiach, malheureusement, et on espère Bekarov, sans Yisurim, qu'on puisse le recevoir Bekarov, mais il n'est pas encore là. Alors à quoi ça nous sert? En fait, Rabbeinu, ce qu'il est en train de nous donner en remez, c'est que si c'est la Tfila, c'est l'arme principale du Mashiach, et que notre âme, elle est contenue dans toutes les âmes d'Adam Harishon, et qu'elle est contenue aussi, comme dit le Zohar Kadosh, dans l'âme du Mashiach, alors à ce moment-là, c'est aussi notre arme à nous. La Tfila, c'est pas seulement l'arme principale du Mashiach, c'est l'arme principale de chacun des Béné Israël. Je pourrais le répéter 10 fois cette phrase-là, parce que c'est une clé. Et on ne comprend pas, on ne réalise pas qu'est-ce qu'on a dans les mains. C'est écrit que Yaakov, sa force, elle est dans sa bouche. Que Esav, c'est la guerre, c'est les mains, mais Yaakov, c'est sa bouche. Tout ce qui nous a toujours protégés, c'est notre bouche. Notre filote, nos limud Torah, c'est ça qui nous a toujours protégés. Pourquoi aujourd'hui on est encore vivant? C'est grâce à ça. C'est grâce à ça. De toutes les galoutes, c'est ça qui nous a tenus en vie. Et il dit Rabbeinu dans l'écouté Moharan, mit aber quoi? Que Shehu Bechinat Rotem. Il va expliquer que c'est l'aspect, la défila, c'est l'aspect du nez. Alors comme on a dit la dernière fois, là, ça ne veut pas dire que c'est le nez. Il y a un aspect qui s'appelle qui s'appelle le nez, qui s'appelle les narines. Comme on dit que Adam il a reçu le souffle de vie par quoi? Hachem, il a insufflé le souffle de vie par les narines, exactement. Par les huiles. Ok, exactement. Il a reçu par les narines. Donc ça veut dire qu'il y a un aspect qui s'appelle le nez, Chotem. Kmo Shekatouf, comme c'est écrit dans Yeshaya, Udhilati Ertamlach. Pour ma louange, il dit Hachem, je retiendrai ma colère. Ça veut dire quoi? Omisham Rikar Hiyoto. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que vous me priez, je retiendrai ma colère. Comme c'est, on vient de passer la paracha de Bilam, Ken. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Que Bilam, qu'est-ce qu'il connaissait? Il ne connaissait pas Da'at Elyon, il ne connaissait même pas Da'at de Sananès. Comment il va connaître Da'at Elyon? Mais Bilam Arasha, il connaissait le moment précis qui correspond à la crête du coq qui change de couleur, comme dit l'Agmara. Dans Maseret Brachot, il connaissait le moment précis où Hachem, Berega Echad, dans un instant dans la journée, il s'énerve. Il se met en colère.
Il faut comprendre qu'on ne parle pas de la colère qui est la nôtre, c'est-à-dire la colère qui est la nôtre, elle est mauvaise. La colère, tout ce qui vient d'Hachem, c'est bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette colère-là, elle est nécessaire à la tenue du monde. Il faut cette colère-là, de cette réga-là, de cet instant-là de Hachem et de Bara, pour que le monde y tienne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu maudire les bénis Israël. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il ne s'est pas énervé. Le jour où Bilam Arasha, il est venu, Hachem, il a dit, regardez mes enfants, je ne vais pas m'énerver aujourd'hui, pour vous protéger. Et on ne savait même pas, parce que comme on voit dans la paracha, c'est l'une des seules parachiotes, on n'est pas actif dans la paracha. On est des passifs, on est en bas de la montagne, et Bilam Arasha est en train d'essayer de nous maudire. Et bien, Hachem et Barar, il nous a sauvés, et finalement, ça s'est transformé en bénédiction. Et encore une fois, Omisham Rikar Yuto. Et de la même façon que de là-bas, c'est-à-dire de la Teila, de la prière, c'est le Haïkar, c'est l'essentiel de la vie, de la Chayut, de la vitalité du Mashiach, c'est aussi l'essentiel de notre vitalité. Quelqu'un qui prie vraiment, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a perdu ça. C'est rapporté dans Maseret Brachot. Que les chassidim arishonim, ça veut dire les premiers chassidim, ils venaient une heure avant la tefila, ils se préparaient à prier, ils se préparaient à rencontrer Hachem Yitbarach. On a une chance extraordinaire. Hachem, il est prêt à nous écouter et à nous parler comme moi je vous parle. C'est incroyable, on ne réalise pas. C'est le Borei Olam, il a toutes les clés dans les mains. Il peut faire ce qu'il veut. Et il est prêt à t'écouler, à te parler. Et quoi? Il nous dit là-bas, dans Maseret Brachot, il nous dit, il s'écrit qu'il se préparait une heure avant la tefila. Et on va voir pourquoi, on va voir dans le suite de l'enseignement pourquoi il faisait ça. Ensuite de ça, il priait. Et après ça, une heure après la tefila, ils étaient là pour redescendre de leur madriga. Combien une tefila qui est vraie, qui est émette, elle a besoin d'être préparée et elle a de la force. Alors il dit ici, Omisham Aika Chiyuto. Et c'est là-bas l'essentiel de sa chayut. Vechol Milchamto Shirase Vechol Hakevishot Shirbosh Akol Misham. Et tout, et toutes les guerres que Mashiach va faire, et toutes nos guerres personnelles en vérité, que ce soit contre notre Yetzerara, donc on parle ici d'une guerre Rouhani, une guerre spirituelle, que ce soit même dans nos guerres de la vie de tous les jours. On essaye évidemment d'éviter les marloquettes, mais quand quelqu'un il est là, il est pris dans une marloquette, alors il doit évidemment fuir, mais même dans ça, il a besoin d'Hachem et de Mashiach. Et toutes les conquêtes que le Mashiach va faire à Kol Misham, tout vient de là-bas. C'est écrit dans la Gemara, Alvay qu'un homme, il prie toute la journée. Nous, on se fait bouffer par notre Yetzer Hara. Il nous fait des problèmes dans le Shalom Bayit. Il nous fait des problèmes dans la Parnassa. Il y a des gens, il nous fait des problèmes dans tout. Et nous, au lieu de se retourner vers Hachem, parce que c'est ça qu'Hachem il veut, de la même façon qu'il a fait attendre Sarah pendant presque 80 ans pour avoir un enfant, pourquoi, pour quel prix, c'est ça qu'il veut de nous. Une fois que tu vas prier, tu vas te retourner vers lui. C'est quoi la prière? Hachem, c'est toi qui as tout. C'est toi qui décides tout. Tu t'enlèves le poids des épaules. Une fois que tu es ça, tu es mieux, tu es vivant. Tu n'as plus ce poids-là sur les épaules. Ce poids-là, il ne t'appartient pas. Hachem Yitbarach, il le veut ce poids-là. Il ne veut pas te le mettre sur les épaules. Donne-lui. Donne-lui ce poids-là. Il n'en veut pas. Il veut juste te libérer de ça. Mais qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin, toi, de dire, Hachem, tout vient de toi. Et s'il te plaît, occupe-toi de tout ça. Moi, je vais faire les efforts qu'il faut, mais guide-moi dans tout ce que je vais faire. Guide-moi, donne-moi les bonnes aides. Fais-moi voir les choses que je dois faire, parce que c'est toi qui as les clés de tout. Et c'est seulement ça qu'il veut, il nous dit ici, Rabbi Nachman, c'est seulement ça qu'il veut. Et c'est rapporté que toutes les guerres qu'un homme il va faire, il va les gagner grâce à la tefila. Trouve dans ma sechet Gittin, Daf Zayn Amoudbet. Là-bas, c'est écrit que Maroukva,
il est venu voir Abbé Lazare. Et il lui a dit, écoute, j'ai des gens qui me font des problèmes. Ils se moquent de moi, ils sont tout le temps derrière mon dos, ils m'empêchent de faire quoi que ce soit. Des gens de la rue, des gens pas bien. Ils étaient tout le temps sur eux. Il lui a dit, j'ai l'opportunité, merci, j'ai l'opportunité, je peux les faire, que la police intervienne. Je peux aller voir la police et qu'elle intervienne, ils sont connus de la police. Qu'est-ce que je dois faire? Il est parti voir Rabbi Elazar. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Rabbi Elazar, dans la Gemara, s'écrit Dom l'Hachem v'techolel lo. Tais-toi, Dom, ça veut dire. Tais-toi, mais surtout, ça veut dire, c'est un lachon de prière. Donne l'Hachem. Prie à Hachem, et lui, remet sur lui tout, il va s'en occuper. Ne va pas voir ni Paul, ni Pierre, ni Jacques, ni personne, ni la police. Ce qu'il veut Hachem, c'est une grande madriga. Évidemment, si on voit que, on parle maintenant dans l'aspect, qu'est-ce qu'il faut essayer de faire? Évidemment qu'il y a des bedins, etc. C'est fait pour des gens qui ont besoin de ça. Il faut comprendre que le Icar, même quand on va voir le médecin, il faut comprendre que le Icar, ce n'est pas le médecin qui est mérapé, ce n'est pas le médecin qui guérit. C'est Hachem Idbar. Avant, nous disent les grands Gdolim, avant d'aller voir le médecin, priez d'abord à Hachem qui vous guérisse. Après, vous pouvez aller voir le médecin si vous voulez. Mais d'abord, il faut prier à Hachem. Il faut savoir pourquoi c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Il faut essayer de comprendre. Alors, on voit de là, de l'histoire de Maroukva, que tout est entre les mains d'Hachem et que tout ce qu'il faut, c'est aller et essayer de se connecter à lui. Parce que à partir du moment où tu pries avec lui, tu as une connexion qui est créée avec lui. Et ça, c'est l'essentiel de sa force, de son arme. Et Moshe Katour, Berharti ou Vakashti, comme c'est écrit dans Sefer Bereshit, dans le livre de Bereshit, Berharti, avec mon épée, ou Vakashti, avec mon arc, dit à Yaakov. Et Rashi, là-bas sur place, qu'est-ce qu'il dit? Au Peresh Rashi, c'est quoi Berharti ou Vakashti? C'est quoi l'épée et l'arc d'un juif? Écoutez ça, c'est quoi l'épée et l'arc d'un juif? Tefila ou vakasha. La prière et la demande et les supplications. Ukhmoshekatuv, et comme c'est écrit dans Tehilim, ki lo vekashti eftach vechule. Ce n'est pas en mon arc, c'est-à-dire ce n'est pas en l'arc physique que j'ai confiance. Belokim ilalno. Mais c'est en Hachem que j'ai confiance. Bechina Teila Echtom Lach. Et c'est ça la Bechina que, grâce à Tfilot de Ham Israël, Hachem y retient sa colère. C'est grâce au Tfilot de Ham Israël que Hachem retient sa colère. Et de la même façon, vous remarquerez que la vitalité d'un homme, elle passe par quoi? Par la respiration, ok? Quelqu'un ici ne respire pas. Il n'est plus en vie. Il n'est plus en vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? Quand il nous a parlé de l'aspect du nez et l'aspect de l'air, Rabbeinu, nous, il est en train de nous dire, de la même façon que l'air est précieux, est vital pour un homme, de la même façon la tfila est vitale pour l'âme spirituelle de l'homme. C'est rapporté par Chachamim que l'eau, c'est la Torah, on ne peut pas vivre sans eau. Encore, on peut durer peut-être une journée ou deux, mais on ne peut pas vivre sans eau. Mais l'air, c'est encore pire. Claire, c'est fini. Et la tfila, c'est l'air d'un juif. C'est ça son air. Et on va arriver à Dehetsa, parce que je vois des gens qui commencent à. On va arriver à Dehetsa. Rappelez-nous, comme je vous ai dit, c'est pas. Il veut qu'on puisse l'appliquer dans notre vie. Donc il va nous donner des conseils pour arriver à ce Madrega. Parce que nous, on le sait très bien. Nos parents nous l'ont dit, nos grands-parents ont prié, nos arrière-grands-parents, on sait que la prière c'est important. Et pourtant, on n'arrive pas à prier. Shmona Esrei, il y a 10 000 choses qui nous arrivent dans la tête. Dans la Tefila, il y a la Bakasha. Mais la Ken. Alors, c'est rapporté deux enseignements, Tefila et Bakasha. Qui, quand on parle de Tefila, c'est ce qui est rapporté ici par les. C'est une très bonne question. C'est rapporté par les Mefarshim, par les commentateurs du Likoud des Morales. Quand Rabbeinu dit Tefila, on parle de Shmoneh Esrei. Ça veut dire de la Tefila que Chazal ils ont instaurée. Mais quand on parle de Bakasha, on parle qu'un homme il parle à son créateur.
parle d'Igbo des doutes. On parle qu'un homme, il parle avec son cœur, il va dans la forêt, il va à la plage, celui qui, chacun il fait comme il peut. Il va dans sa voiture quand il fait moins 15 dans certains pays. Ceux qui font moins 15, ils se reconnaîtront. Et là-bas, il va dans sa voiture, il met le chauffage, il parle à Hachem, il crie à Hachem, il pleure. Alors il y a une partie dans Shmona Esrei, effectivement. Il y a une partie dans Shomea Tefila, qui est réservée là-bas. Il y a une partie, une fois que tu as fini, Shalom Aleinu, tu as fini juste avant la fin, tu peux aussi parler à Hachem. Mais quand tu es en ange Shmona Esrei, entre vous et moi, on est d'abord en Minyan. Donc c'est beaucoup plus difficile de parler avec Hachem, parce que tu es en Minyan, c'est pas la même chose, tu peux pas te dévoiler autant. Et surtout, notre problème, c'est que si tu passes du temps sur ton Shmona Esrei, tu vas perdre tout le reste de la prière. Parce que tout le monde va finir et toi t'es là en Shmona Esrei en train de demander à Hachem. Alors c'est vrai que c'est comme ça qu'il faut faire Bémet. Hachem, quand tu es venu ce soir, Rabbeinu il dit quand quelqu'un il parle à Hachem, Hachem, de la même façon que lui il prend du temps pour parler avec lui, il se déconnecte de tout le monde, Hachem il se déconnecte de tout, il vient parler avec lui. Al-Kedekar. Je n'aurais pas dit si tu n'avais pas posé la question. C'est Al-Kedekar. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a une madriga qui est dévoilée chez tout le monde. Mais le chidouche de Rabbeinu, c'est que dans Igbo des doutes, il y a une madriga encore plus grande. Encore plus grande. Chazou Shalom, que vous avez, que pas vous fassiez Igbo des doutes à la place de la tfila. Chazou Shalom, on ne parle pas de ça. C'est Khayab, c'est une halakha, c'est pas stable. Moi, c'est Igbo des doutes. Ken, exactement. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shakol yehi dvaro. Amen. Il y a des qui disent qu'on fait des doutes. Ken? Oui. Et Rav Ramarouche, il est assez faire juste sur ça. Qui est traduit dans toutes les langues. Marche. C'est. Les... Shara Betona. Ah, Shara Betona. Ken. Tu vois, toi aussi, bro, tu es venu. Ken, il y a assez faire qui est traduit dans toutes les langues. Et qui parle exactement de la Bechina de des doutes, de l'importance. Oh, Hachem, alors on va continuer. Et donc on était de comprendre donc combien c'est vital la tfila, combien c'est vital la tfila. Et l'essentiel, comme tu as parlé d'Igbo des doutes, l'essentiel du rapprochement avec Hachem, il passe par la tfila et la Torah, on a bien sûr la Torah, mais encadré de la tfila comme on l'a dit au début. Dans chaque chose, il dit ici, « Elokim ila lo bechina teilati achtana » Alors maintenant, on va rentrer dans un autre Aïnian. Il faut d'abord savoir que dans chaque chose, dans chaque environnement, Kodesh, il y a une avira de Kodesh. Quand vous rentrez ici dans ce Beit Knesset, moi je le sens et je suis sûr que vous le sentez aussi, vous sentez de la doucha. Quand tu rentres dans une Beit Knesset où il y a des gens qui fuient toute la journée, ou quand on fait la tefila, on ne parle pas, il y a de la Kdoucha. Et Rabbeinu, il nous dit, quand tu rentres dans un endroit comme ça, respire. Respire parce que ça va rentrer en toi. Respire. Prends l'air qu'il y a là et rentre-le en toi. Quand tu vas chez Rabbi Shimon Bar Yochai, tu vas à Meron, respire. Quand tu vas chez Rabbeinu à Oman, respire. Parce que cette Bechina de tefila, elle va rentrer en toi. Ça va rentrer dans tes poumons, ça va rentrer dans ton sang. Respire ça. Et chas v'shalom de le contraire. Quelqu'un, il est loin de nous dans un endroit qui n'est pas malheureusement de Kdoucha, c'est la même chose. Ne respire pas, ferme le nez, avance et cours. Et cours. La avira, comment elle est importante. L'endroit, l'environnement, comment c'est important. Il nous dévoilera Benou. Et donc, dans chaque chose, il y a ça. C'est quoi le pirusha d'avoir? C'est que ils seront capables de sentir la sainteté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mashiach, on dit que quand il va venir Mashiach, il va être Ouarazitim et il va avoir des guerres selon certaines opinions, pas de guerre selon d'autres opinions, non, on veut qu'il n'y ait pas de guerre Bezrat Hashem. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va sentir les gens. Les bénis Israël, ils vont venir devant Mashiach, ils vont vouloir être sous la protection du Mashiach, et il va les sentir. Et c'est connu de tous que c'est pas la kippa, c'est pas la barbe, c'est pas l'habit. Il va te sentir. Ça veut dire quoi? Il va te sentir. Il va sentir ta ira de Shamaïm. Il va sentir ta crainte du ciel. Il va te sentir ta avat Shamaïm.
ton amour du ciel. Il va sentir la Kdusha qui est en toi. Il va sentir la Emet qui est en toi. Il va sentir la sainteté, la vérité qui est en toi. C'est ça que Mashiach va sentir. C'est connu de tous. C'est écrit là-bas dans la Torah qu'il va sentir les gens. Et donc maintenant, on va rentrer dans un deuxième aspect. Donc on a compris l'importance de la tefila. Tout ça, c'est le premier paragraphe de cet enseignement-là. Il parle de l'importance de la tefila. On a bien compris que c'est vital. Et c'est pas peu dire, c'est vital pour nous. Maintenant, le deuxième aspect, c'est le suivant. Et si tu veux attraper ce qu'on appelle une vraie tefila, si tu veux avoir cette arme-là dans les mains, sache une chose, nous dira Benoît. Les Kabel Aliyede Bechinat Yosef Haïnou Shmirat Amrit. Tu ne peux l'avoir que si quoi? Si tu as la Bechina de Yosef. La Bechina, c'est l'aspect de Yosef. Si tu as l'aspect de Yosef, c'est quoi l'aspect de Yosef? C'est la Shmirat Amrit. C'est de garder la Brit Mila. Ça veut dire le respect de l'alliance. Shmirat Amrit. Seulement si tu as Shmirat Abrit, si tu travailles sur ta Shmirat Abrit, que tu fais attention à Shmirat Ha'enayim, que tu ne vois pas n'importe quoi, que tu fais attention à ce qui rentre dans ta tête, dès qu'il y a une mauvaise pensée, tu la sors. Okay? Et on va voir derrière ça comment faire ça. Mais dès qu'il y a une mauvaise pensée, tu la sors. Et évidemment, dans l'acte, mais déjà celui qui travaille sur les yeux, sur ce qu'il entend, sur ce qu'il pense, a fortiori que l'acte est beaucoup plus loin de lui. Okay? Et donc, celui qui fait Shmirat Abrit, alors à ce moment-là, il a l'épée de la tefila dans les mains. Et d'ailleurs, si vous remarquez bien, qui est appelé tzaddik dans toute la Torah Kula? Yosef HaTzaddik. Que celui qui a Shmirat Abrit dans les mains, celui qui fait attention à ça, qui se bat, tout le monde a des épreuves. Tout le monde. Même c'est rapporté dans la Gemara, Rabbi Akiva. Il a dit sur... On l'a dit ce matin dans l'étude... Il a dit sur la ta'ava des femmes. Il a dit, c'est quoi cette ta'ava-là? Moi, je n'ai pas cette ta'ava-là. Hachem, il a dit, c'est vrai, tu n'as pas cette ta'ava-là. Il lui a envoyé, elle y était descendue directement du ciel, complètement nue. Il a couru après elle, jusqu'à monter sur l'arbre. Rabbi Akiva. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que même si lui ne le savait pas, il était d'abord protégé grâce à sa Torah, grâce à sa tefila. Il était protégé parce que le secret, c'est que ça va dans les deux sens. Celui qui prie, évidemment sur ça, il va être protégé, même si on ne le voit pas, il va être protégé. Et celui qui fait attention, il va avoir une tefila. Donc c'est un cercle. Celui qui prie, il va être protégé. Et celui qui fait attention, la tefila va monter. Et il dit comme ça que quoi? Et bien sûr, on ne parle pas seulement des hommes. Et quoi, les femmes, elles ne prient pas? Les femmes, elles n'ont pas l'épée de la prière? Plus que nous, peut-être. Mais ça va, c'est auto-davar. Nous, c'est Shmirat Abrit. Eux aussi, ils ont Shmirat Abrit. Ça veut dire Shmirat Abrit chez eux, la tzniut. Une femme qui fait attention de ne pas faire fauter les autres, qui fait attention à être tzniut, elle fait exactement le même travail que l'homme qui ferme les yeux. Celle qui fait attention à ne pas faire fauter les autres, qui s'habite tzniut, qui a comme la halakha le demande. Combien ils sont rares dans le Olam Haba? Pourquoi? Parce que c'est une unité. L'homme et la femme, quand ils sont mariés, on le sait, c'est une unité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme aussi, elle a son travail. Et la femme aussi, grâce à ça, elle aura la paix de la prière. Comme c'est écrit, Chagor Herbecha Yarech. Chagor Herbecha Yarech. Attache à ta ceinture ton épée. De là, on voit un remez, que l'épée de la prière, il est relié à la ceinture, il est relié à la brite. Et aussi, Kmo Shekatuv, mi pri bitner, ashit lechiselach. Mi pri bitner, Hashem idi à David à Melech. Que quoi? Que du fruit de ton ventre, je vais faire sortir le Mashiach. Mais il dit, continue le passage.
à une seule condition. Im yishmeru vanecha beriti, si tes enfants, ils respectent l'alliance sacrée entre nous et Kadosh Baruch. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lié intrinsèquement ensemble. Les deux ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Les deux, et encore aujourd'hui, encore plus. Pourquoi on n'arrive pas à prier? Parce que c'est devenu une catastrophe. Vous sortez dans la rue aujourd'hui, c'est... Bon, c'est ce que c'est. Et chacun qui... Mais il faut savoir aussi, de la même façon que c'est ce que c'est, chacun qui fait un petit effort, ça vaut des millions par rapport, on l'a dit déjà la dernière fois, ça vaut des millions par rapport à ce qui était fait avant. Avant, ils n'avaient pas soigné ça, il y en a, tout le monde était couvert, etc. Même dans les pays au Maroc, en Tunisie, etc., les femmes musulmanes avec qui ils vivaient, ils étaient couvertes. Il n'y avait pas ce même Enyan là. Aujourd'hui, tout le monde sait n'importe quoi. Tout le monde sait n'importe quoi. Et donc, l'épreuve, elle est plus dure. Le Sahar, il est meilleur. Et la même chose dans la Tfila. C'est plus dur aujourd'hui d'avoir Yeshuva Da'at, d'être tranquille, de pouvoir prier tranquillement. C'est plus dur. On vit à 180 à l'heure. On n'arrête pas. J'ai un problème là, puis un problème là, puis un problème là. Peut-être aujourd'hui 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure de dépôt des doutes, ça perce les cieux comme Tefila de Yom Kippour. Mais tu rigoles, mais je suis sérieux. Je pèse mes mots. Ça vaut comme Yom Kippour. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Parce que c'est grâce à l'Emouna que tu mets dans ta Tfila que c'est l'Emouna, c'est le Keli qui va la faire monter. Et Sarah Ben va nous le dévoiler. L'Emouna que tu mets dans chaque chose, c'est ça le Keli qui va la faire monter. Et il dit que quoi, donc Hachem, il garantit le trône à David seulement si ses enfants... Ils vont respecter la brite. Seulement si ces enfants... Et Machiach, il vient de David Amer. Et on voit d'ailleurs, entre parenthèses, pourquoi aujourd'hui on n'a pas un roi qui vient de David? Parce qu'il y a eu une dissension dans le peuple d'Israël, juste après Shlomo. Et à cause de quoi? Shlomo, il n'y a pas eu la dissension pendant Shlomo, parce que Hachem, il a dit, par le mérite de ton père, je ne peux pas te faire ça. Mais ton fils, on lui enlèvera la royauté. Et pourquoi? Parce que Shlomo, il a eu combien de femmes? 1000. 1000 femmes. Et c'était les Shem Shamaim au début. Mais quand il a pris la fille de Paro, Hachem, il a dit ça suffit. Il y a une raison pour qu'il y ait une... Bien sûr qu'il y a une raison. Il était les Shem Shamaim. Il voulait avoir la paix dans le monde. Il voulait des kraten avec toutes les princesses du monde. Mais Hachem, il a dit pas plus qu'un certain nombre. Il veut avoir les 1000 binots. Ken, exactement. Exactement. Mais quand même, Hachem, il a dit, je t'ai dit pas plus qu'un certain nombre. Exactement. Et donc on voit que quoi, toute la source, elle vient de là. On est là. Hein? Ça veut dire si ça tâche à la Bechina de Yosef, parce que Yosef, il a gagné avec l'épreuve de Potiphar, la femme de Potiphar en vérité. Pour ceux qui ne savent pas, la femme de Potiphar a tenté Yosef comme c'est pas possible. Et il a pas cédé. Grâce à ça, il a gagné le titre de Tzadik. Et grâce à ça, tout un Israël a gagné le titre de Tzadik. Mais Alken Yosef, chez Shamar et Abrit, Natal et Abechora. Il a mérité grâce à cet événement-là, la Bechora. Le droit d'aînesse. Shehu Be'ahilat Avodat Atfila. Il nous dévoilera Benon Rabbi Nachman un secret. Le droit d'aînesse, dans l'aspect du droit d'aînesse. Encore une fois, on ne parle pas de. Oui, ce n'est pas seulement les premiers-nés qui peuvent prier. L'aspect du droit d'aînesse, c'est la Bechina de la Tfila. Bechinot Pishnaim. C'est la Bechina des deux bouches. Pishnaim. Des deux voix. Pourquoi? Qui a Tfila ou Pishnaim? Parce que la Tfila, elle a deux voix. Alors écoutez bien, on commence les Hetzot. Shnaim sheyesh bahem shifro shel makom u'elat tzerachav. Donc on commence les conseils de Rabbeinu. Même si on a déjà donné que c'est Shema Adonai, etc., mais des conseils pratiques. Il nous dévoile Rabbeinu que la tfila c'est Pishnaim. C'est quoi Pishnaim? C'est deux voix. En vérité, il y en a trois, il va développer le troisième bientôt. Et c'est d'ailleurs le seder, comme j'ai dit tout à l'heure, de la tfila. D'abord, on louange Hachem.
d'abord on glorifie Hachem. Hachem, comme on dit dans la tefila, Gadol, Nora, on te louange. D'où on a appris ça? De Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, avant de demander quoi que ce soit à Hachem, il louangeait Hachem. Et nous apprend Rabbeinu un enseignement nifla. Pourquoi est-ce qu'on d'abord on louange Hachem? Normalement, tu pourrais dire quoi? C'est comme tu as besoin de quelqu'un, alors tu lui dis t'es beau, t'es bien, t'es extraordinaire, maintenant donne-moi. Hachem, il nous le Ken? Mais pourquoi? C'est quoi le Ika? C'est quoi le fond? C'est une des réponses. Chazak Avraham, c'est que ça permet de mettre Hachem à sa place. Mais ça veut dire quoi mettre Hachem à sa place? On va essayer de d'affiner. C'est que c'est pas pour Hachem qu'on dit ça. Tu dis pas, Hachem, il n'y a pas besoin que tu lui dises tu es grand, tu es magnifique, tu es extraordinaire. Pas besoin. Toi, tu as besoin de le dire. Pourquoi? Parce que toi, avant de demander, tu as besoin de réaliser à qui tu demandes. Grâce au fait que tu vas réaliser à qui tu demandes, que c'est lui qui a les clés de tout. Ton problème maintenant, c'est lui qui a les clés. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, quand il demande, il ne dit pas toujours les 13 attributs. Si vous remarquez bien dans la Torah, il choisit les attributs en fonction de la demande. Pourquoi? Parce que je veux d'abord réaliser que ce que je vais demander, Hachem a cet attribut qui correspond à ce que je vais demander. Et à partir du moment où il a cet attribut, que moi je réalise la grandeur d'Hachem, que moi je réalise qui c'est Hachem, que moi je réalise que Hachem va tout me donner et qu'il est capable de tout, maintenant je peux demander. Donc premier niveau, il faut louanger Hachem sur ce que tu vas demander. Par exemple, tu as besoin de Parnassa. Tu dis Hachem, c'est toi, je sais que c'est toi qui donne Rosh Hashanah à Parnassa. Je sais que c'est toi qui donne tout. Je sais que c'est toi qui as les clés de la Parnassa. C'est toi qui as les clés de l'argent. C'est toi qui as les clés. Maintenant, je ne veux pas faire ça pour moi. Je veux faire ça pour la Torah, ou je veux faire ça pour donner la Tzedaka, ou je veux faire ça pour ma famille. J'ai besoin de marier mon fils, ma fille, j'ai besoin de faire une Brit Mila. J'ai besoin, Hachem. Et je sais que c'est toi qui as les clés. Premier niveau, c'est la louange. Deuxième niveau, c'est nos demandes. On demande à Hachem, que ce soit spirituel ou matériel. On demande tout à Hachem, il faut savoir quelque chose. Et ça, un jour, un rabbi m'avait appris ça. Il m'avait dit, quand tu cherches les clés dans la maison, n'oublie pas de demander à Hachem. Alors, à l'époque, j'étais pas très conscient de ce que ça voulait dire. Je lui dis, mais je vais pas embêter Hachem à chaque fois quand même. Il dit, mais c'est ça que tu comprends pas. Hachem, il est infini. Quand tu lui parles, tu l'embêtes pas. C'est ça qu'il veut de toi. Et pas seulement ça. Quand tu lui demandes pas, c'est là où tu l'embêtes. Pourquoi? Parce que le caviarol, c'est comme si tu dis, j'ai pas besoin de toi Hachem, je vais trouver mes clés. Non, même tes clés, même une place de parking, tu demandes, Hachem, s'il te plaît, trouve-moi la place de parking. Comme c'est rapporté qu'à un moment, et que tu es dans certaines villes, c'est très difficile de trouver du parking. Et pendant 2 heures, tu tournes, et t'as oublié de parler à Hachem, de demander à Hachem. Et au bout de 2 heures, tu dis, oh, je sais pas, ça fait 2 heures que je me casse la tête, pourquoi je demande pas à Hachem? Finalement, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, Hachem, il te barre, s'il te plaît, regarde, j'ai un rendez-vous. Pas pour moi, il faut que j'ai une part d'assa, il faut que ceci, il faut que cela, ou c'est pour la Torah. Trouve-moi une place de parking. Et puis, Tom, il y a une parking qui sort. Alors, la blague connue, mais c'est pas ça que je voulais dire, mais puisque je vois qu'il y en a qui rigolent, la blague connue, c'est dire Hachem, j'ai plus besoin de toi, j'ai trouvé la place. Mais c'est pas ça ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est qu'à partir du moment où maintenant tu as trouvé la place, c'est quoi qui te tient en plus que d'avoir trouvé la place? Ce que tu as en plus, c'est que Hachem, tu as réalisé qu'il t'a répondu. Si maintenant tu n'avais pas demandé, tu trouves la place, tu ne te poses même pas la question. Mais maintenant tu as demandé, Hachem, il t'a répondu, tu viens de créer un kécher qui n'appartient qu'à toi. Hachem, il t'a répondu et tu dis, oh merci Hachem. Ça veut dire quoi? Tu viens de réaliser que c'est Hachem qui t'a parlé. Et comme ça dans toutes les choses, on a dit la dernière fois dans le premier enseignement qu'il faut s'attacher à chaque chose, qu'il faut chercher Hachem dans chaque chose. Sachez que l'une des principales façons de faire, c'est de tout demander à Hachem. Tout, 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 tout. Je pourrais aller jusqu'à demain avec mon tout. Tout demander à Hachem. Pas seulement parce que c'est lui qui a tout, mais parce qu'en faisant ça, quand tu vas être répondu, tu vas grandir, tu vas te rapprocher d'Hachem. Par akaratatov pour lui. C'est rapporté que ça, c'est la de vraie demande. La vraie demande, c'est pas pour demander. Hachem, il sait très bien ce que tu as besoin. Tu crois quoi? Il t'a créé. Il sait que tu as besoin d'avoir une part d'assa. Il sait que tu as besoin de réfoi. Il sait tout ça. Il n'y a pas besoin que tu demandes. Pourquoi tu demandes? Parce que quand il va te donner ça, quand il va enfin te donner ça, à
après maintes et maintes et maintes, quand Sarah est Ménou, elle a eu son enfant, quand Rivka a eu son enfant, ou Lo Alenu, quand les Hachem, que toutes les filles d'Israël qui ont des problèmes d'avoir des enfants, qu'elles aient des enfants, les Hachem, qu'Hachem il leur ouvre toutes les portes, et en particulier les portes de la prière, tout celui qui a besoin, les Hachem, ils reçoivent le Shefa. Mais comment il fait ça? Seulement à travers la prière. Seulement, et en particulier les femmes, que elles ne font pas chaya d'étudier la Torah. Combien encore plus c'est grand leur arme de la prière. Et on l'a vu chez nos grands-pères, etc. Elles n'étaient pas forcément religieuses ni rien, mais moi je me rappelle toujours, pas ma grand-mère particulièrement, mais je me rappelle là où j'ai vu que toutes les grands-mères, elles ne savaient même pas lire l'hébreu. Mais tous les soirs, elles étaient à la fenêtre, elles ouvraient la fenêtre, c'était leur moment. Faut pas les embêter à ce moment-là, elles parlent à Hachem. Hachem, mon fils, j'ai besoin de ça. Pour ma fille, j'ai besoin de ça. Pour ma petite fille, j'ai besoin de ça. Pour ça, j'ai besoin de ça. S'il te plaît, Hachem, on n'en peut plus avec ça. Ils avaient ça et on l'a perdu. Pourquoi on l'a perdu? En particulier à cause du problème de la bride et d'autres problèmes que Rabbi Nachman va ramener. Mais il faut le retrouver parce que ça, c'est l'arme du juif. Et finalement, le troisième aspect qui va ramener ici, c'est l'aspect des deux. Et finalement, Rabbi Nachman va ramener un troisième enseignement, qui est d'ailleurs celui de la Tfila. C'est qu'une fois que tu as fait ça, une fois que donc tu as demandé, il y a ce qu'on appelle l'auda, le remerciement. Une fois que tu as demandé, à ce moment-là, tu vas remercier. Et pourquoi tu vas remercier? Parce que nous dévoile Rabbi nous que celui qui ne remercie pas, tôt ou tard, il va perdre ce qu'il a eu. Tôt ou tard, il va perdre ce qu'il a eu. Parce que celui qui ne remercie pas, il a un quitrouble dans le ciel. Il y a un quitrouble. Et je vous dis, malheureusement, il y a certains anges qui n'attendent que ça, d'avoir des quitroubles contre un Israël. Et il y a un quitrouble. Regarde, tu lui as donné, il ne t'a pas remercié. Il n'y a pas d'accord avec toi. Alors, celui qui remercie, il faut comprendre que non seulement il va être chalem, il va garder ce qu'il a reçu, mais il va avoir encore plus. Comme un enfant qui dit merci à son père, il a une glace, il dit merci papa, merci papa. Le lendemain, il demande une glace, juste pour le merci, tu lui donnes. C'est pas pour la glace, juste pour le merci, tu lui donnes la glace. Juste pour le merci, tu lui donnes la glace. Et il faut comprendre que c'est pas... Ken. On ne devrait pas, les bonnes ne devraient pas se limiter au remerciement. C'est pas que des remerciements. C'est ça que je pose. C'est les trois aspects. Oui, mais pourquoi ça ne se limite pas juste au remerciement? Tout le reste, c'est une question de Emouna. Hazak, très très bien. C'est très beau ce que tu dis. Alors, il a dit à Adam que pourquoi on ne se réfère pas juste au remerciement? Parce que le remerciement, c'est le Icar. Rabbeinu, il dit c'est pas le Icar. Il va dire juste après, le paragraphe d'après, et c'est très bien que tu poses la question, que ça fait partie des trois. Mais s'il n'y a pas les trois, ta tefila, elle n'est pas chalem. Elle n'est pas entière. Dès que tu es chasser de un, alors on ne comprend pas. Tu as raison, on comprend que s'il n'y a pas le remerciement, alors c'est vrai que c'est sûr qu'il y a un quitrouble. Quoi, moi je te donne, tu ne me remercies pas. Mais on ne comprend pas s'il n'y a pas la demande, qu'il y a un problème. Si tu dis juste merci, qu'il n'y a pas la demande. Celui qui est riche, c'est celui qui se suffit de ce qu'il a. Ken, il se suffit de ce qu'il a au niveau matériel. Sache qu'un homme riche, il se niveau de matériel, mais jamais en spiritualité, il faut se suffire de ce qu'on a. Ça, c'est un conseil des sages. Qui est méfourage dans plusieurs marottes, que dans la spiritualité, tu ne dois pas, parce que ce monde, il n'est pas fait pour stagner. Si tu stagnes, tu tombes. Dans la spiritualité, tu dois grandir en spiritualité. Mais pour le reste, c'est vrai que pour la matérialité, de nos jours, on se suffit de pas beaucoup, malheureusement, de beaucoup, mais on va dire que dans l'aspect de la matérialité, il faut se suffire. Et il dit ici, Vénital mi Rouven a l'aider chez Hillel Itzoka Aviv. Itzoué Aviv. Itzoué Aviv. Qui hit à l'ouïe Bishmira Tapri. Il dit, on a dit tout à l'heure que Yosef il a gagné la Bechora. Mais il a gagné au dépens de qui? Au dépens de Rouven. Rouven c'était le premier-né. Et pourquoi il a perdu la Bechora, Rouven? On dira, Benou. Tu sais pourquoi il l'a perdu? Parce qu'il y a eu l'histoire. Donc on va la rapporter pour ceux qui ne connaissent pas.
Dans la Torah, c'est rapporté que quand Rachel Imenu est décédée, donc, qu'est-ce qu'a fait Yaakov? Il a pris sa couche, son lit, et Réhouven s'attendait, puisque Léa avait tellement souffert, entre guillemets, de la préférence qu'avait montré Yaakov pour sa première femme, entre guillemets, pour celle avec qui il voulait se marier depuis le début, Rachel. Il s'attendait à ce que Yaakov mette sa couche, son lit, chez sa mère, chez Léa. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il prend sa couche, il la met chez Bila, la servante de Rachel. Et là, au lieu de se contenir, qu'est-ce que fait Réhouven? Même si tu ne comprends pas, comprends que Yaakov, il a ses raisons. Il est plus grand que toi. C'est ton père. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il va, il prend le lit de son père, il commence à le mébalbel, il commence à faire n'importe quoi avec. Il le sort, etc. Pour montrer son mécontentement. De ça, nous dit Rabbeinu, les sages d'ailleurs nous disent, de ça, à cause de ça, Réhouven, il a perdu la Bechora. Mais là, nous donne pourquoi le fond des choses, Rabbeinu nous dévoile, Rabbi Nachman nous dévoile le fond des choses. Pourquoi vraiment? Parce que ça représente un gamma brit. Ça représente. Alors il dit que lui, ce soir-là, il devait avoir un enfant. Yaakov, il devait avoir un enfant. Et malheureusement, à cause de ça, il a créé un gamma brit chez Yaakov. Ça veut dire que maintenant, Yaakov, il a rien fait ce soir-là. Alors que lui, tout est spirituel chez Yaakov. On ne parle pas maintenant d'acte physique. Quand il s'unissait avec ses femmes, avec une de ses femmes, c'était pour avoir des enfants, c'était pour révéler la présence de la chaîne, c'était pour avoir les 12 tribus. Non. Alors voilà le secret. Le secret, c'est un secret de l'étude. C'est pas, je ne pense pas que je l'ai lu chez Rabbeinu, mais c'est un secret de l'étude. C'est que Ephraïm et Ménaché, ça devait être les enfants de Yaakov. Mais comme il y a eu ce gamma brit, c'est Yosef qui a récupéré Ephraïm et Ménaché. Mais en vérité, Ephraïm et Ménaché, ça devait être les enfants de Yaakov. Mais en vérité, c'est pour ça qu'à la fin, Ephraïm et Ménaché ont retrouvé leur statut de tribu. Donc, Béhémet, il y a eu un gamma brit. Et c'est ça le secret de Nouval Rabbeinu. De la même façon que Yosef, il a gagné la Bechora grâce au Shmirat HaBrit. De la même façon, Réhouven, il a perdu la Bechora à cause du gamma brit. Le Alken, Yosef, Bishvil, Shezacha, Lifrinat, Tefila, שיהו בחינת אילתי אחתום, בחינת ייחוד הנמשך, מנוקווה דפרדשקה, כנל על כן נקרא בן פורת יוסף. זה פורסה כונבל בן פורת יוסף. זה סל הסוכרי, לשמיעת הברית, זה סל כיפה כשהיא פרוטג'ת אותו. כמובן לגרומר, היא דיס בן פורת יוסף, כשהיא פרוטג'ת יו אין הרע, תו ויין דו לברית. איסי, הוא דביטי, encore un troisième paragraphe. Donc on vient de voir tout l'aspect du Shmirat HaBrit. Ça c'est le deuxième paragraphe. Que tout est dans la Shmirat HaBrit. Ici on va commencer un troisième paragraphe qui est le suivant. Qui est maintenant que si tu as fait attention à ta brit, que tu as compris la valeur par la Emouna que tu as mis dans ta tefila, que tu as compris la valeur de la prière. Donc tu as l'épée et l'épée maintenant elle est aiguisée. Tu peux pas faire mieux. Tu peux pas faire mieux. Mais il y a un problème, nous dit Rabbeinu. Il y a un grand, grand problème. C'est quoi? C'est quoi ce problème-là? C'est que cette épée-là, il faut savoir la manier. Toi, tu es novice. On te met une épée dans un fusil dans les mains. J'aimerais pas être autour. Hein. Et la tuile-là, elle est tellement puissante, c'est une bombe atomique. Que si tu la mets dans les mains d'un enfant, ça va faire une catastrophe. Parce que la tfila, elle va être écoutée. Sa tfila, lui, elle va être écoutée. On va finir sur une histoire, et après, les attacher au prochain shiur, on va reprendre cet aspect-là. Et je vais finir sur une histoire de Rabbeinu. C'est rapporté que Rabbeinu, un jour, Rav Haikel, qui était un de ses talmides, il est venu le voir. Et autour de là où il vivait Rabbeinu, il y avait un homme très très pauvre.
Et Rav Frenkel, à chaque fois qu'il le voyait, il avait mal au cœur. Il connaissait la puissance de Rabbi, il connaissait la puissance de la bracha de Rabbi Nachman. Et un jour, il est venu voir Rabbi Nachman, il lui a dit, Rabbeinu Rabbi Nachman, pourquoi tu ne pries pas pour lui? Pourquoi tu ne lui donnes pas une bracha qui devienne riche? J'en peux plus de le voir, il n'a même pas de quoi manger, ses enfants crèvent de faim. Il est dans une situation à la panime. Donne-lui une bracha, avec ta bracha, tout va monter. Qu'est-ce qu'il lui répond Rabbi Nachman à Rav Frenkel? Il répond à Rabbi Nachman à Rav Frenkel, écoutez bien. Il lui dit, j'ai pas de shefa à lui donner, j'ai rien à lui donner. Alors Rabbi Frenkel, il ne comprend pas. Il dit, tiens, attends, je sais qui tu es, Rabbi Nachman. Je sais qui tu es. Tu as tout, pas tout, mais ça veut dire, Hachem, il t'a choisi comme un tzadik qui soit dans l'âme, ta bracha, forcément qu'elle fonctionne. Il lui a dit, j'ai pas à lui donner. Il avait tellement de peine, Rabbi Frenkel, qu'il a dit à Rabbi Nachman, est-ce que tu me laisses moi le bénir? Il lui a dit, vas-y, bénis-le. Il est parti le voir. Il était dans le chouk à ce moment-là, je pense, le pauvre. Il lui a dit, je te bénis, que tu sois achir, les malas, que tu n'aies plus même le souvenir d'avoir été pauvre. À partir de cette bracha, cet homme-là, il est monté en achirout, de malas, les malas, il est devenu le plus riche de la ville. Un jour, Rabbeinu, il l'a rencontré dans le marché. Et il lui a dit à ce pauvre-là, on va l'appeler Réhouven. Je ne sais pas comment il s'appelait. Hein? À ce riche-là, quand même. À ce riche-là. Il a dit à ce riche-là, dis-moi, aujourd'hui, est-ce que tu as levé la tête au ciel? Est-ce que tu as réalisé qu'il y a un Boréola là? Est-ce que tu as réalisé qu'il y a un Dieu dans ce monde? Le pauvre riche, il ne savait plus où se mettre. Il a dit, non, j'étais trop occupé. J'ai trop d'affaires en ce moment, je peux pas. Et Rav Frenkel, il était là, une Hachamaïm avec lui. Et Rabbeinu, il s'est retourné vers Rav Frenkel, il lui a dit, tu vois ce que ta bracha a fait? Toi, tu crois que tu lui as rendu service quand tu as prié pour lui. Et regarde comment il est éloigné d'Hachem maintenant. C'est vrai qu'il a gagné de la Hachirut pendant 80 ans, mais quand il était pauvre, combien il était proche d'Hachem et combien il était riche en spiritualité. En vérité, tu as voulu l'enrichir, mais tu l'as appauvri pour l'éternité. Combien on doit faire attention à ce qu'on demande? Et on va donner des etzot la prochaine fois, Bezrat Hashem, de comment il faut demander. Rabbeinu, il rend tous les détails. Il veut que cette arme du Mashiach, elle soit entre nos mains. Il veut nous former, comme celui qui prend des cours de conduite pour conduire une voiture, là, pour pas faire n'importe quoi avec la voiture. La même chose, Rabbeinu, il va prendre notre main. Rabbi Nachman, il va prendre notre main, il va avancer avec nous jusqu'à qu'on soit capable d'utiliser cette fille-là pour qu'elle soit béhémet, une épée tranchante, mais qu'elle tranche les bonnes têtes, j'allais dire, les bons endroits. Alors qu'on soit zoché Bezrat Hashem, de déjà intégrer ce premier enseignement et d'avancer Bezrat Hashem dans l'avancement de cet enseignement numéro 2. Merci beaucoup. Merci beaucoup.